Salut, salut. Alors, on reprend notre petite partie. Alors, est-ce qu'on peut cliquer sur la tablette? J'ai noté le symbole. Ok. Eh, c'est marrant, leurs yeux. Ils ont dû mettre des sortes de cristaux, on a l'impression que du coup ils sont brillants comme s'ils étaient vivants. Ouais, c'est ça, hein. Faites pas le malin. The hallway seems like it was intentionally blocked with this ornate wall. And there are some primal writings inscribed on it. As far as I can tell, the text talks about a guardian, a formless, glistening, and reflectively iridescent black protoplasm, able to mock and reflect all forms and organs. Un protoplasme, non mais sans déconner, qui sait ce que c'est? I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. Alors là, on a droit à une petite énigme. On va sortir le petit papier pour nous faire gagner du temps. C'est ça de noter les solutions parce que sinon. Hop. Alors, le but est de gérer tous les cercles et d'allumer les petites loupiottes qui sont un peu plus grosses que les autres. Là, on en a trois. Pour représenter la constellation qu'on a enregistrée dans le journal. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça représente pas grand-chose. Non, ça, je suis bien d'accord. Donc là, vous avez un dessin. Et le but, c'est de le représenter en déplaçant. Voilà, ainsi de suite. Les cercles. Voilà. Quand vous mettez plusieurs côte à côte, ça s'allume. Quand vous les éloignez, ça s'éteint. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, de souvenirs. Enfin, de souvenir. C'est marrant ça. Le rouge, il est en haut. Lui, il est en bas. Le trio, il est comme ça. Mince. Celui qui est tout seul. Mince, 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 mince. Celui qui est tout seul, il est plutôt vers le bas. Et ben voilà. Trop facile.
Voilà, j'ai récupéré un objet métallique. Toi, tu dois avoir le front qui brûle, je pense. Qu'est-ce que je devais faire exactement là? Ah oui, c'est là. Finally found it. This mural is depicting the continents in the middle. Jurassic era, I believe. This is marvelous, as well as overwhelming. The light from the device is obviously showing the locations of the ancient Conariums. Yes, it definitely is so, for I've known two of these places from the detailed petroglyphs in the secret halls beneath the Khafre's pyramid. But they all had gone now. Even their ruins had been crumbled under the waves of human cruelty and the merciless time. But this lowermost landmass is what we call Antarctica today. It is most probable that the structure that holds the Conarium is mostly enduring still today. Et là, je sais pas s'il faut pas fuir. Enfin, si on peut. I better leave this place immediately. J'étais mort là la dernière fois. Ils vont me faire charger là? J'ai un gros doute. J'arrive pas à me souvenir. Ah ouais, je suis pas censé mourir là. T'es arrêté là, va, tout à l'heure, ça s'était pas effondré pourtant. Ouais, c'est de la triche, ça. Il me semblait bien aussi que j'ai fait la même chose la dernière fois. Je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. Bon, bah, du coup, je suis mort une fois de plus. Alors, j'apparais où cette fois-ci? Parce que là, à force. Oula, je retourne ici. Tout va bien. James Barlow. It's stuck. Fermé. Blake. It's stuck. Fermé. Chez moi, c'est ouvert. Faust. It's fermé. Open. Bon, ça limite. Ah ouais, d'accord. Sympathique.
Surtout quand on se voit comme ça dans une sorte de miroir, mais bon. Vas-y, continue de clignoter, s'il te plaît, là, histoire que je vois. Ça fait pas du tout le même effet quand ça reste noir tout le temps. This is the price we must pay for our transgressions. The price to be paid for breaking away from the limits of mortal flesh and delving into arcana of consciousness that few have trod. What the hell is going on? You are naive for suppressing our truest aspirations. Such earthly fear of improbability detached you from our absolute purpose. I definitely lost my mind. Un peu. Ah, il y a encore ce truc dégueulasse là qui coule. Et cette fois-ci, c'est bien éclairé, tiens, c'est marrant. Là, ça sent la fin. Ça sent la fin. Là, à mon avis, il nous reste une petite vidéo après celle-ci, mais... À moins de me gourer, mais je crois que c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, les gars. Alors, à mon avis, je vais discuter avec ce petit bonhomme-là, qui, à mon avis, vous devez connaître qui c'est, enfin, au moins deviner. Et on s'arrêtera là, et pff, ça fait un peu court. Ah, mais j'aurai pas le temps. Donc, on va couper ici, comme ça, je ferai que la finale la prochaine fois. Oh God, what has happened to him? Dr. Faust, can you hear me? Are you all right? Yes. I can scarcely hear you. How terrific is the price of a single glimpse behind the veil of nature. Frank, we've sought to escape from the tedium and limitations of waking reality into beckoning vistas of fabled avenues of other dimensions. But did it work, or was all in vain for us to begin with? I lost my sight and I cannot feel my legs anymore. Our bodies are falling apart under such alien sensations of this accursed device we used to open forbidden doors of time and space. And I feel every part of my body is failing fast. I have no power within me to resist my downward course now. So you have to move on. There is no other way. Reach the ancient Conarium and shed your deteriorated skin. Elves consume some of this. Will ease your pain, but eventually you will end up like me. And I have such Dr. Faust! Dr. Faust! He's dead.
Et ouais, vous avez bien merdé, les gars. Alors, enregistrement. Et avant de se quitter, je vais vous montrer la première fin du jeu. Dr. Faust? I found it, Frank. I finally found my answers. Under the shifting sands. Ouais, la première fin est plutôt courte. On peut passer ça, please? Alors, résultat de la partie. Oh, j'ai fait vachement mieux que la première fois. Document trouvé 23 sur 25. Souvenir observé 18 sur 18. Secret trouvé 6 sur 7. Trophée 16 sur 20. Avancée globale 90%. Pfiou, ouais. Je suis plutôt fier de ma performance. Honnêtement, j'avais pas trouvé autant de docs la première fois, ça c'est clair. Là où j'étais embêté la deuxième fois, c'était ce petit coffre doré qu'on a dans un de nos souvenirs, justement. Et là, je vous avoue que je sais pas du tout comment est-ce qu'on ouvrait ce petit coffre-là. Mais surtout, du coup, si vous faites le jeu aussi, n'hésitez pas du tout à repasser à des endroits où vous êtes déjà passé avant de passer à une autre scène, en fait. Parce qu'après, aucun retour en arrière est possible. Et vous avez des fois, on trouve des infos qui sont sympas. Hop. Et je suis donc fini du jeu, donc fin du jeu, Conariot. Ça, c'est mon titre, entre guillemets. Eh bien, écoutez, les gars, on se retrouve la prochaine fois pour la vraie fin du jeu. Enfin, la vraie fin. La fin qu'on cherche tous à atteindre, parce que celle-ci, c'est la fin, comme dit Dr. Faust, pour finir petit. L'autre fin n'est pas forcément beaucoup plus sympathique. Allez, à bientôt. Salut à tous.